Actuellement, l'industrie des technologies de l'information et de la communication joue un rôle fondamental et stratégique pour l'économie nationale d'un pays. L'économie mondiale s'évolue de plus en plus vers des activités économiques axées sur l'industrie d'Internet et informatique. Le président chinois a souligné que la Chine allait accélérer l'intégration d'un pays innovant faisait progresser l'intégration de l'Internet, des mégadonnées, de l'intelligence artificielle avec l'économie réelle, en vue de construire un pays avant-garde dans le domaine d'Internet, une Chine numérique et une société intelligente. La Chine accorde beaucoup d'importance au développement de TSI et a mis en œuvre le plan d'action Internet Plus. Aujourd'hui, la Chine compte 40% d'utilisateurs du réseau 4G et 60% d'usagers de large bande à fibre optique du monde. L'Internet est accessible déjà partout en Chine. La technologie 5G sera mise en service commercial en 2020. Et en Chine, les nouveaux secteurs et modes de développement, tels que l'Internet mobile, l'informatique en nuage, les mégadonnées, l'Internet des objets et l'e-commerce, le paiement mobile, l'économie du partage, émergent en pleine expansion. En matière de coopération internationale, la Chine a tenu depuis 2014 trois éditions de la Conférence mondiale sur l'Internet et accueillera la quatrième en décembre prochain en Chine. Nous constatons que le pays africain accorde aussi une grande importance au développement de l'industrie de TSI. Le marché africain se développe à grande vitesse et figure parmi les marchés les plus prometteurs. Huawei, principal fournisseur des solutions en TSI au monde, maintient depuis toujours une étroite coopération avec les pays africains, avec ses produits et services de qualité. Mesdames et messieurs, la coopération en TSI est l'un des volets importants de 10 plans d'action de coopération sino-africaine lancés par M. le Président chinois en 2015. La Chine continuera à travailler ensemble avec les pays africains pour le développement de TSI et apporter sa part de contribution au développement des infrastructures des TSI et de l'interconnexion en Afrique. Merci pour